la grâce de notre Elohim Yahvé et Joshua vous soit totalement multiplié. Mon nom, c'est Massé Bolan Placide, le prophète. Vous êtes le bienvenu dans l'Institut de Kinshasa, Ibeka. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau cours que nous allons pouvoir partager avec les étudiants qui est intitulé Yehoshua Amashiachologie. Qui est réellement Yehoshua Amashia? Est-il Elohim, créateur et sauveur? Selon les autres, il n'est pas Elohim. Selon les autres, il est Elohim créé. Selon les autres, c'est un serviteur de Elohim. Il a été envoyé par Elohim. Il priait Elohim. À la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à travers ces divergences, les interprétations mitigées autour de sa personne, de sa divinité, et Yahweh a permis que nous puissions aborder ce grand cours Yehoshua Amashiachologie. Nous allons repérer ensemble avec vous, est-ce que c'est lui le créateur de l'univers ou bien un simple serviteur, un créateur créé, envoyé d'Elohim, prophète d'Elohim, parce qu'il priait Elohim, il adorait Elohim. Vous aurez toutes les réponses évidentes autour de sa divinité et de sa personnalité. Parce que dans les milliers de chrétiens, il y a cinq courants qui divisent le prophète, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les diacres. Vous trouverez d'autres chrétiens qui attestent que Yehoshua n'est pas Elohim. Oui, il est Elohim créé, il est Elohim, mais pas en même titre que le Père. Et en cela, avant que nous puissions vous donner d'abord les différents chapitres que nous allons aborder, en cela, il y a cinq courants. Notez d'abord cela. Cinq courants au sujet de la divinité de Yehoshua. C'est alors, vous allez voir par exemple, il existe le courant, maintenant vous balancez. Le courant binitariste. Les binitaristes, ils disent que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Donc, c'est un courant dualiste. Il croit en deux dieux, le Père et le Fils. Mais le Fils est Dieu, pas en même titre que le Père. Il est Dieu parce qu'il possède les attributs du Père. On aura le temps d'étudier ce courant binitariste, comme des témoins de Jéhovah sont beaucoup plus binitaristes. Et nous allons exploiter les différents textes bibliques exploitent pour faire asseoir la doctrine binitariste ou dualiste en même temps. Et à part ces courants, nous avons le courant trinitariste. Les trinitaristes, là vous trouverez les églises des réveils, les pentecôtistes, les églises charismatiques. Donc pour les trinitaristes, affirment qu'il y a trois personnes distinctes dans la divinité, Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit, cependant un Elohim. Donc pour eux, il y a trois personnes distinctes dans la divinité. Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit. Par la grâce d'Elohim, nous allons répondre aussi à cette question et grâce à ce grand cours qui est Yehoshua Amashiachologie. À part les trinitaristes, il y a un autre courant, le troisième courant, qui est sorti, n'est-ce pas, du courant trinitariste qu'on appelle les trithéistes. Le courant trithéiste s'oppose radicalement aux trinitaristes au niveau de la personnalité distincte dans la divinité. Nous aurons suffisamment le temps aussi d'aborder, et lorsque nous avons vu, je pense, si le cours de la pneumatologie, j'avais tenté d'essayer, mais c'est ici que nous allons vraiment entrer en profondeur. Mais à part le courant trithéiste, noté, il y a aussi deux autres courants. Nous avons le courant monothéiste négatif. Le courant monothéiste négatif qui croit qu'il y a un seul Dieu, mais il nie la pleine déité de Yehoshua. Nous aurons le temps d'exploiter aussi le courant monothéiste négatif. Et à part ça, il y a le courant monothéiste positif qui affirme que le terme Père, le terme Fils, le terme Saint-Esprit nous renvoie dans le différent rôle que le Dieu unique, Elohim unique, a joué pour le salut de l'humanité. Donc le terme Père nous renvoie dans sa nature étant le Créateur, le terme Saint-Esprit
nous renvoie dans son essence et le terme fils nous renvoie dans son humanité. On aura le temps d'expliquer cela grâce à ce cours. Donc, nous comprenons que, mes chers frères et sœurs, parler de Yehoshua, Jésus-Christ, ce n'est pas facile dans l'ensemble des croyants. Les croyants sont divisés et vous trouverez cette divergence qui règne depuis des siècles. Et là, grâce à ce cours Yehoshua en machiologie, nous vous proposons 5 chapitres. Justement, 5 chapitres que nous vous proposons. Et à travers ces 5 chapitres, nous allons étudier magistralement la notion de la déité de Yehoshua. Dans les premiers chapitres, nous verrons ensemble avec vous si la révélation progressive de Elohim dans les Tanakhs. On verra comment Elohim, l'unique, le Créateur, s'est révélé progressivement dans les Tanakhs. Et à part ça, dans le chapitre 2e, nous verrons Yehoshua est l'apogée de toutes les prérogatives de nom, titre, attribut, théophanie, anthropomorphisme natif de Elohim. Ça, c'est le chapitre 2e que nous allons étudier par la grâce de Elohim. Et le chapitre 3e, une brève histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'au 21e siècle et les divers dogmes. Dans le chapitre 4e, nous verrons si la déformation du nom du Créateur est sauveur chez les Juifs et les nations du monde. Pourquoi nous parlions de Yehoshua, pas Jésus, pas Yeshu? Vous allez comprendre bien des choses. Et enfin, le chapitre 5e, nous allons repérer ensemble avec vous si l'historicité de compilation des 66 livres du canon et la Bible. Alors, ce cours comprend au moins 5 volumes. Il y a 5 volumes, c'est-à-dire les différents fascicules. Il y a la première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie et cinquième partie. Même si vous n'êtes pas étudiant dans l'institut, ben vous suivez seulement le cours. Vous pouvez de toutes les façons nous contacter pour avoir les fascicules. Vous allez acheter les fascicules et vous allez recevoir le format électronique. Par la grâce de Elohim Yahvé et Mashiach, nous allons d'abord introduire. Dans l'introduction, nous allons vérifier si les Tanakhs, on appelle l'Ancien Testament, est composé de 39 livres selon la compilation de Louis II, mais dans la Bible hébraïque, c'est 22 livres. On va voir, est-ce que les Tanakhs, l'Ancien Testament, enseigne la notion de la Trinité, de trithéisme, de binitarisme, de polythéisme, parce qu'il y a des chrétiens trinitaires, des chrétiens trithéistes, les chrétiens monothéistes, les chrétiens binitaristes, mais tous se réclament unicitaires, monothéistes. Alors, on va vérifier d'abord, est-ce que les Tanakhs enseignent la doctrine de deux Elohim, trois Elohim, quatre Elohim? Ça, c'est la première des choses, il faut noter. La deuxième des choses, nous avons NT. NT veut dire le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Pas bien même la Nouvelle Alliance commence à partir de la croix. Ben, nous allons classer dans les cadres de ce cours. On prend les quatre évangiles, Actes des Apôtres, 21 Épîtres et Apocalypse. Ben, pour les gens qui nous suivent très bien, nous savions fort et bien, la Nouvelle Alliance ne commence pas avec Matthieu, Marc, Jean et Luc, parce que les testateurs était encore vivant. Il fallait que le testateur meure pour que l'alliance entre en vigueur. Donc, si on doit parler de la nouvelle alliance, c'est à partir des Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Mais dans ces cadres ici, on va rester beaucoup plus dans la compréhension générale, parce que la plupart des chrétiens, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, et ils voient Matthieu à l'Apocalypse. Et nous resterons dans ces contextes-là. Mais pour nous, déjà, les étudiants de IBECA, nous connaissons bel et bien Matthieu, Marc, Jean, Luc, c'est toujours les régimes de la loi. Parce que Yehoshua est né sous la loi, Galates chapitre 4, verset 4e.
Et dans Hébreux chapitre 9, il fallait que le testateur meure pour que le testament entre en vigueur. Maintenant, le Nouveau Testament, qui est composé des quatre évangiles, n'est-ce pas, Actes des apôtres, 21 épîtres, et puis Apocalypse. Alors, nous allons vérifier aussi si le Nouveau Testament, composé de quatre évangiles, Actes des apôtres, 21 épîtres et Apocalypse, si ces deux testaments ou ces deux alliances enseignent la doctrine de la Trinité, la doctrine des trithéistes, la doctrine de binitarisme, la doctrine des monothéistes positifs ou négatifs. C'est en cela que nous allons comprendre le premier chapitre, la notion de la révélation de Yahvé progressive. En cela, nous allons comprendre la notion de la révélation progressive de Elohim d'Itanar. Mais d'emblée, on commence d'abord dans l'Ancien Testament, ici. Notez, vous allez noter l'unicité de Yahweh dans les Tanar. Notez l'unicité de Yahweh dans les Tanar. Notez ça, l'unicité de Yahweh dans les Tanar. Voilà, on note l'unicité de Yahweh dans les Tanar. Il y a deux versets Amel que nous allons pouvoir vous dire de noter. Par exemple, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 9e. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 9e. Ça, c'est le premier passage. Notez le deuxième passage. Nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 10e. Exode chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Je reprends Deutéronome. Chapitre 6, le verset 4 à 9, Exode, chapitre 13, verset 14 jusqu'au verset 16e. On peut encore noter Deutéronome, chapitre 5, le verset 7, Exode, chapitre 20, le verset 3 jusqu'au verset 5e. Notez tous ces passages ici. Nous avons également, 1 Chronique, chapitre 17, le verset 20. Nous avons Deutéronome, chapitre 32, le verset 39e. Nous avons 2 Samuel, chapitre 7, le verset 22. Alors, on peut ajouter Psaume 86, le verset 10. Donc, vous voyez, en lisant Deutéronome, chapitre 6, le verset 4 à 9, Exode, chapitre 13, verset 14 à 16, Deutéronome, chapitre 5, le verset 7, Exode, chapitre 20, le verset 3 à 5, 1 Chronique, chapitre 17, le verset 20, Deutéronome, chapitre 32, le verset 39e, 1 Samuel chapitre 7, le verset 22, Psaume 86, le verset 10e, tous ces passages proclament tout simplement la doctrine d'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Je lirai seulement quelques passages. Lorsque nous prenons, par exemple, dans le livre d'Exode, vous allez voir ce que le Seigneur a déclaré lui-même.
Nous prenons, par exemple, Exode chapitre 20. On commence, Alexis, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. « Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Tu ne feras point d'idole, ni une image des choses qui sont là en haut dans les ciels, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis Yahweh, ton Elohim, et El Jaloux, qui punit l'iniquité des pères, si les fils, si la troisième et si la quatrième génération, et ceux qui me haïssent. » Voyez, si on prend Devarim, Deutéronome chapitre 6e, à partir du verset 4e jusqu'au verset 7e. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai et Had. Voyez, lui-même Yahvé a proclamé la doctrine de l'unicité absolue. Donc, pour lui, il n'y a pas la notion de la Trinité, des trithéistes, le binitariste là, ça n'existe pas. Israël ne croyait qu'à l'unicité absolue de Yahweh. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Et si vous continuez dans tous ces textes, il y a toujours l'affirmation de l'unicité absolue de Yahweh. Écoute Israël, notre Elohim, Yahweh 1. Tu aimeras Aleph Tav Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 7, tu l'enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Et tu les lieras comme un signe sur tes mains. Elles seront comme des frotteaux entre tes mains. Le verset 9e, j'aime bien ce verset 9e. Tu l'écriras aussi sur le poteau de ta maison, sur tes portes. Donc, si tu dis au peuple juif, il y a la Trinité, il y a le trithéisme, oh, il y a les dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois sont un, ils vont te dire que tu es fou. Parce que eux, ils comprenaient, ils connaissaient que la doctrine du monothéiste ou de l'unicité absolue de Yahvé. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, Dieu est unique. On peut dire déjà que les Tanakh, l'Ancien Testament, ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux, de quatre dieux. Les Tanakh proclame clairement la doctrine de l'unicité absolue de Yahvé. Nous avons des passages en mêle dans les Tanakh où Yahweh qui proclame la doctrine de l'unicité ou du monothéiste, parce que le mot monothéiste vient du mot grec. On dit monothéiste, cela veut dire monos. Monos, qui signifie seul, unique, ou bien un. Monos signifie seul, unique et un. Donc, les Tanakh ne proclament pas la doctrine. Oh, nous sommes des trinitaristes. Oh, nous sommes des trithéistes. Nous sommes des binitaristes. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous enseigner si Yehoshua Hamashiachologie. Et vous-même, vous allez comprendre si vous êtes dans la bonne voie. Mais si tu es déjà trinitariste, tu es binitariste, tu es trithéiste, tu es dans une mauvaise voie. Tu es dans un mauvais chemin. Tu es dans la voie de l'égarement. Parce que Yahweh lui-même a proclamé l'unicité monothéiste absolue. Yahweh unique. Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad a imposé même au peuple d'Israël d'écrire ça sur les lettons de leur maison, de répéter ça à leur progéniture. Et tout enfant d'Israël était censé de confesser la doctrine du monothéiste de l'unicité de Yahvé.
Alors, si nous pouvons noter aussi ces différents passages, ça va beaucoup plus nous aider dans la même perspective. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Là, nous sommes vraiment dans l'introduction de notre cours. Parce que nous aimons Yehoshua, nous prions Jésus, nous l'adorons. Mais peu de gens ont la connaissance de cet homme-là. Peu de gens. Et j'espère qu'au fur et à mesure, nous serons en train d'avancer. J'espère qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans notre enseignement, vous aurez tant de précisions. Alors, notez d'abord Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 44, le verset 6e. Et vous anticipez le verset 8e. Vous anticipez le verset 24. Vous prenez Ésaïe chapitre 45, le verset 6e. Vous anticipez le verset 21 jusqu'au verset 22. Vous prenez encore Ésaïe chapitre 46, le verset 9e. Vous prenez Ésaïe chapitre 42, le verset 8e. Vous notez encore Ésaïe chapitre 48, le verset 11e. C'est super. Alors, on va encore ajouter Ésaïe chapitre 37, le verset 16e. C'est très important ces différents passages que je suis en train de vous donner. Ajoutez Malachie chapitre 2, le verset 10e. Donc, nous avons Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11. Ésaïe 44, verset 6,8,24. Il y a également Ésaïe chapitre 45, verset 6,21 à 22. Nous avons Ésaïe 46, le verset 9e. Il y a Ésaïe 42, le verset 8e. Ésaïe 48, le verset 11e. Ésaïe 37, le verset 16e. Malachie chapitre 2, le verset 10e. Mes chers frères et sœurs, dans tous ces passages que je viens de citer, le texte biblique ne cesse de proclamer la doctrine de l'unicité de Yahweh. Si tu es trinitariste, oh, il y a trois dieux, toi, papa, maman, tu es à côté. Voyez, ce n'est pas ta faute. Nous aurons le temps ici. Lorsque nous allons toucher le chapitre 4e, la déformation du nom du Sauveur chez les Juifs, quand nous allons parler de l'histoire de l'Église d'une manière laconique, et vous allez comprendre combien de dogmes que les hommes ont ajoutés au cours de l'histoire de l'Église. Tous ces passages ne confirment jamais la doctrine de trois dieux, de quatre dieux, d'un seul Dieu. Donc, cette croyance trinitariste, cette croyance trithéiste, cette croyance où il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit, ça vient dans nos têtes. La Saint-Testament, les Tanakh, ne le confirme pas. Essayons de lire ces différents passages et vous allez voir. Je pense que pour mes étudiants, vous avez déjà les volumes 1, vous pouvez déjà lire ça. Je prends par exemple Ésaïe 43, le verset 10 à 11. La parole nous dit ceci. Avant moi, il n'a pas été formé de Elohim. Après moi, il n'y en aura point. Donc, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Moi qui suis Yahvé, hors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Lui-même a proclamé l'unicité absolue. Ésaïe 44, le verset 6. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point d'Elohim. Comment on peut voir? Nous sommes des trinitaristes. Il y a le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Mais lui-même, il dit, en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Dieu est unique, monos. Il est seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Mais tu verras, les chrétiens, nous croyons à la Trinité. Nous croyons en trois dieux. Non,
ça marche pas. Je prends encore Ésaïe 44, le verset 24. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, celles, j'ai déployé le ciel, celles, j'ai étendu la terre. Je prends Ésaïe 45, le verset 6e. Il est en train de proclamer l'unicité et monothéiste absolu. Il est écrit dans Ésaïe 45, le verset 6. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Mais d'où vient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Mais lui-même, il dit, hors de moi, il n'y a pas le Dieu le Fils. Il n'y a pas le Dieu, le Saint-Esprit, c'est moi. Le Dieu unique, le créateur de toutes choses. Ésaïe 45, le verset 21 à 22. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Mais d'où vient le Père? Le Fils, le Saint-Esprit, trois dieux qui forment un seul Dieu. Ah bon? Mais lui n'a jamais confessé ça, le créateur de l'étanard. On verra aussi, avant de citer, si le Nouveau Testament proclame aussi la doctrine dualiste, trinitariste, trithéiste. Alors, on prend Ésaïe 48, le verset 11e, et Ésaïe 42, le verset 8e. Je donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, si tu dis déjà, il y a trois dieux qui forment un seul Dieu, tu mens. L'Éternel ne confirme pas cela. Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes sont victimes des écoles théologiques. Moi-même, je suis un théologien, mais je ne condamne pas la théologie. Mais ce qu'on enseigne dans les écoles théologiques, ce n'est que la doctrine de la Trinité. Mais ce n'est pas ce que la parole nous révèle et nous enseigne. Je prends encore un autre passage dans Ésaïe 37, le verset 16e. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. Est-ce qu'il y a combien de dieux? Il y a trois dieux qui forment un seul Dieu, pasteur. Regardez là où nous sommes égarés. Et à travers ce cours, vous serez élucidé. Alors, quand vous lisez, par exemple, dans Malachie chapitre 2, le verset, Malachie 2, le verset 10e, là aussi, Yahweh proclame la doctrine absolue. Il dit, je suis le Père, c'est moi qui a créé toutes choses. C'est lui. Donc, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a que l'unicité absolue de Dieu. Chers frères et sœurs, avant que nous puissions conclure l'unicité absolue de Yahweh dans l'Éternel, j'aimerais que nous puissions noter que l'unicité absolue ou le monothéiste absolu de Yahweh est définie comme suit. Seul Elohim unique est créateur. Seul Elohim est sauveur. Seul Elohim unique qui pardonne le péché. Seul Elohim est éternel. Seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants. Seul Elohim unique qui ressuscite les morts. Ça, c'est magnifique. Seul Elohim unique est vivant. Seul Elohim unique est le premier et le dernier. Seul Elohim unique qui est digne d'être adoré. Waouh! Seul Elohim qui jugera, seul Elohim qui jugera le mort et le vivant. Seul Elohim est omniprésent. Seul Elohim est omniscient. Seul Elohim est omnipotent. Vous voyez, l'unicité absolue de la souveraineté de Yahweh, créateur de l'univers. Donc, lorsque nous croyons à l'unicité absolue de Yahweh, l'unique Yahweh, le seul Yahweh, voilà comment nous pouvons résumer l'unicité absolue et la souveraineté de Yahweh, créateur de l'univers. Seul Elohim unique est créateur, seul Elohim unique est sauveur, seul Elohim unique qui pardonne les pécheurs, seul Elohim
unique et éternel, seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants, seul Elohim unique qui ressuscite les morts, seul Elohim unique qui est vivant, seul Elohim unique est le premier et le dernier, seul Elohim unique qui est digne d'être adoré, seul Elohim qui jugera les morts et les vivants, seul Elohim est omniprésent, seul Elohim est omniscient, seul Elohim est omnipotent. Voilà pourquoi, dans ces différents passages, je voudrais que vous puissiez noter ça. Nous sommes notamment dans Psaume 71, le verset 22. Notez ça, Psaume 71, le verset 22. Premier passage. Deuxième passage, Psaume 78, le verset 4. Troisième passage, Ésaïe, chapitre 1er, le verset 4. Le dernier passage, Ésaïe, chapitre 5, le verset 19, Virgile, jusqu'au verset 24. Je reprends, nous sommes notamment dans Psaume, regardez très bien, et puis nous allons clôturer. Nous sommes dans Psaume, la Psaume 71, le verset 22. Il y a Psaume 78, le verset 41. Nous avons Ésaïe, chapitre 1er, le verset 4. Il y a Ésaïe, chapitre 5, le verset 19, virgule 24. Nous allons lire ces différents passages. Je prends par exemple, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Tehillim, Tehillim, c'est-à-dire Psaume, regardez ce qui est écrit dans Psaume 71, le verset 22. La parole nous dit ceci dans le verset, dans Psaume chapitre 71, le verset 22. Je louerai au son de lutte, je chanterai ta fidélité, je célébrerai avec harpe saint d'Israël. On ne parlait pas les saints d'Israël, il y a un seul saint. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit l'unicité absolue et sa souveraineté est définie le seul créateur, le seul sauveur, le seul qui ressuscite les morts. Donc, on comprend que dans Psaume 71, le verset notamment 22, on proclame l'unicité absolue de Yahweh. Je reprends. Je te louerai au son de lutte, je chanterai ta fidélité, mon Elohim, je célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Et lorsque nous prenons Tehillim, Psaume 78, le verset 41, c'est la même chose. Ça, c'est magnifique, mes chers frères. Quand vous comprenez la doctrine absolue de Yahvé, ça nous fait énormément du bien. On lit le verset 41. Revenez, tentez-elle, blessez les saints d'Israël. Donc, il est le Kaudash Israël. Le Ha Kaudash Israël. Les saints d'Israël. Il n'y a pas deux saints. Il n'y a pas trois saints. Il n'y a que le saint. Un seul saint. Lorsqu'on prend Yeshayahoum ou Yeshaya dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er, le verset 4e, la parole nous dit quoi? Ah, notre pécheresse, ah, nation pécheresse, peuple lourd d'iniquité, postérité de méchants, fils corrompus, ils ont abandonné Yahvé, ils ont irrité par leur mépris le saint d'Israël. Donc, l'expression revient toujours le saint, pas le deux saints, le trois saints, le quatre saints, c'est pour renforcer l'unicité souveraine, monothéiste, souverain des uniques Yahvé. Le saint d'Israël qui se sont retirés en arrière. Alors, lorsque nous anticipons, nous prenons Ésaïe chapitre 5, on lit d'abord le verset 19e, et puis nous allons lire le verset 24e. La parole nous dit ceci. Et qui disent, qui se hâte, qu'il fasse vite son œuvre, afin que nous la voyons, que le cœur du saint d'Israël, j'aime ça, le saint d'Israël s'avance et vienne, afin que nous le connaissions.
Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ces choses? Lorsqu'on prend le verset 24e, l'expression revient toujours. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore les chaumes et que l'herbe sèche tombe dans la flamme, les racines seront comme la pourriture et le flair sera détruit comme la poussière parce qu'ils ont rejeté la Torah de Yahvé, Tchavaot. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Donc, l'expression qui revient, c'est toujours Saint. Saint d'Israël. C'est pour faire quoi? C'est pour renforcer le monothéiste. Et nous avons compris que les Tanakh ne proclame pas la doctrine dualiste, polythéiste, trinitariste, binitariste, trithéiste. Voyez, le Tanakh, l'Ancien Testament, ne proclame que la doctrine d'un seul Eloah. Et l'unicité est définie de celle qui a créé, de celle qui sauvera, de celle qui pardonne les pécheurs. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem. Nous allons voir dans la deuxième leçon, est-ce que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance proclame la doctrine de deux dieux, de trois dieux, de quatre dieux, de cinq dieux, de six dieux, de dix dieux. Et enfin, nous allons maintenant entrer dans le premier chapitre. Si vous voulez nous rejoindre, veuillez suivre les spots et les Mashiach vous bénisse. Toda. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé, la porte elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 et semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Les 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux. Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du vétérotestamateur? Les 7 paroles prononcées avant, pendant et après le 3e des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis.
l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés, le six piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des nonces de l'agneau, la doctrine d'Irène Millennium, la doctrine de la félicité éternelle et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.